Mon artiste révélation là, donc j'ai acheté les trois derniers albums sortis en n'ayant écouté qu'une chanson, c'est Gregory Porter. C'est un chanteur de jazz qui vraiment il déchire les chiens. Je suis très très jazz en ce moment. Et Mario Canonge, pour son jazz caraïbéen, qui est un artiste de chez nous, des Antilles, et qui fait un jazz très teinté de musique caraïbéenne avec des instruments de chez nous, et il chante en créole, et c'est super. Voilà. Alors, un lieu, ben, je dirais Paris, parce que je crois que c'est la ville de mon cœur, parce que j'y suis né, parce que j'y vis, parce que j'y travaille, parce que je m'y balade. À vélo, à pied, en bus et en métro. Je dirais Paris parce que je crois que c'est la plus belle ville du monde. Je suis très chauvin comme garçon, mais ouais, Paris, bien. Alors, une chanson révélation, moi je dirais que c'est Belle de Notre-Dame de Paris. Ça peut faire un petit peu cliché pour quelqu'un qui fait de la comédie musicale, mais c'est vraiment la chanson que un soir j'ai entendue dans une voiture et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? On m'a dit je sais pas, c'est la dernière comédie musicale de Plamondon et Cochande. J'ai dit ok, je veux le disque. Ça c'était en 97 et c'est parti de là en fait. En 98 j'ai vu le spectacle et j'ai dit ok, donc c'est bon. Voilà, j'ai trouvé, papa, maman. Bon, ils étaient ravis. J'ai trouvé, c'est ce que je veux faire. Donc voilà. Hommes et femmes illustres et célèbres, ça va un petit peu toucher au gospel. J'irai Martin Luther King pour son combat, pour tout ce qu'il a pu faire. Un film d'ailleurs est à l'affiche, je crois que c'est le film qui s'appelle Selma, qui est super, super. Si vous allez voir en français, vous m'entendrez un peu. Et Rosa Parks pour son combat, juste en disant non monsieur, je veux pas me lever, laissez-moi tranquille. Je crois que ça a fait bouger énormément de choses et c'est une histoire dont on parle encore aujourd'hui, donc voilà, ouais, Martin Luther King et Rosa Parks.